T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have... Alors malheureusement j'ai eu un petit souci technique sur cette vidéo, du coup en fait le son est un peu décalé, en tout cas vers la fin le son se décale même beaucoup, et en plus de ça j'ai eu un petit souci dans la capture du son de la vidéo, du coup j'ai remplacé toute la bande son originale de la vidéo par des musiques du jeu. Donc voilà, bien sûr il y a encore les commentaires tout ça, mais ils sont vers la fin, ils sont plus très en phase avec la vidéo, j'en suis désolé. Et du coup, il n'y a pas en fait le son du jeu en lui-même. Du coup, voilà, j'ai mis un OST à la place. Désolé pour ce petit cafouillage technique, ça arrive. Et comme évidemment les sauvegardes sont automatiques, je pouvais pas le régler. Désolé. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le cinquième et sans doute dernier épisode de ma saison 2 sur le Let's Play, sur le jeu Stellaris. Pourquoi dernier? Eh ben, tout simplement parce que j'ai joué pas mal de temps dans mon coin tout seul et je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose à vous montrer. C'est-à-dire que c'est un jeu où il n'y a pas énormément d'action. Et donc du coup, à commenter, c'est vite redondant, il n'y a pas grand chose à faire. C'est des décisions qui se prennent sur le temps, sur la longueur, ça reste un 4X. Donc c'est pas ce qui est le plus aisé à commenter de manière dynamique sur quelque chose de long. Du coup, ce que je vous propose, c'est... On va aller en jeu, et puis je vais faire ce dernier épisode tout en vous donnant des informations sur la suite, comment cette suite va se dérouler. Allez, on est parti. Bon, alors, tout d'abord, petit topo sur ce qui s'est passé. Déjà, j'ai rencontré, je pense, quasiment la totalité des empires existants actuellement dans l'univers. Je crois qu'il y en a 25 d'après l'objectif final de victoire. Hein. 27. D'accord, donc avant il y en avait 25, donc du coup ça doit varier. Ça doit clairement varier. Bah oui, forcément, il y a des empires qui se créent, tout ça, donc oui. Victoire par domination, 40% des planètes habitables. Ok, donc je suis vraiment un tout petit, donc on est encore très 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 loin d'une victoire possible. Ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai amélioré un petit peu... j'ai amélioré par là, mais... merde, comment ça s'appelle? J'ai amélioré par ici, ce secteur-là. On s'est fait complètement scinder en deux par le Fevarian Syndicate qui est en train de complètement manger ce coin-là de la galaxie. Bon, il y a aussi le Commonwealth of Gavasgul qui fait pareil. Donc oui, on s'est fait un petit peu... On est complètement bouffé par rapport à tout le monde. Donc c'est compliqué, c'est clairement compliqué. J'ai essayé d'améliorer un petit peu les planètes. Grâce à des décrets et des technologies, j'ai pu amener de la nouvelle population. Donc on a différents types de populations maintenant. On a aussi des matines, je crois. C'est des matines. On a aussi des matines un peu partout sur nos planètes. Ce qui nous permet aussi de coloniser certaines planètes qui auparavant n'étaient pas colonisables. Ce qui est pratique. Mais je vais en fait laisser ça aux différents secteurs. Donc je vais manager le secteur. Autoriser la colonisation. Pas autoriser l'enregistrement de robots. On va faire un nouveau secteur. On va faire un nouveau secteur, clairement. Je vais juste laisser la planète Bogapi. Bapagia, qui est une planète type mer, en fait, celle que j'ai bien boostée. Nouveau secteur. On va commencer par ça. Voilà, on va rajouter ça. On va autoriser les expansions, bien sûr. Pour qu'il puisse tranquillement s'améliorer. Voilà, ça c'est bon. Ok, donc là on est bon au niveau des différents, de la différente partie du secteur. On va juste le manager rapidement. Donc les réaménagements, ok. Non, ça c'est bon. On va augmenter. Ah, moins 1. C'est pas foufou. On va laisser ça comme ça, c'est un peu bizarre. Bon, on va dire que c'est bon.
Maintenant, je vais tout relâcher. Voilà. Donc, on a une grosse flotte. Une grosse flotte actuellement. On a une très très grosse flotte. Dedans, on a des cuirassés, donc la classe 4. On a des croiseurs. J'ai mis des destroyers aussi pour faire un petit peu tampon. Donc, ouais, on a une très 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 grosse flotte. Avec de la bonne capacité navale. Donc, c'est particulièrement important, moi, je trouve, ce qu'on a actuellement. Sinon, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai essayé de trouver la recherche terraformation pour pouvoir terraformer des planètes pour notre espèce, mais finalement, pas besoin. Ah, j'avais un contrat qui a été rompu. Ah bah oui, forcément, les ressources stratégiques, je les avais ici et forcément, elles disparaissent. Merde. Ah, ça c'est con, par contre. Si on peut pas récupérer les ressources stratégiques quand elles sont plus dans notre système, enfin dans un système qui est géré par le... Hein. Alors attendez, bah du coup, dans ce cas-là, je vais gérer un petit peu ce secteur. Hop. On va récupérer les ressources stratégiques ce faisant. Ok. Ce sont les ressources stratégiques. C'est des ressources qui peuvent être importantes parce qu'elles donnent des sacrés bonus permanents à l'Empire. Ah bah oui, du coup celle-là je peux plus la connecter. Bon bah tant pis. Ça me fait un petit peu des ressources en plus à gérer. Pas grand chose mais c'est suffisant. Voilà, ça me semble bon. Ça me semble bon. Ok, secteur géré. Hop. Ah oui, je suis à moins 8, c'est pas foufou. Mais bon, de toute façon il va s'occuper au niveau des crédits énergétiques. Il devrait forcément trouver un équilibre à un moment, donc ça devrait aller. Mais le problème, c'est qu'actuellement, en fait, je suis clairement bloqué sur ce que je peux faire. Parce que au niveau des contacts, on va virer les empires déchus, les primitifs. Il y a pas mal d'empires qui sont carrément inférieurs à nous. On a très peu de supérieurs, il n'y a plus d'écrasants d'ailleurs. Mais, dans tout ça, il y a quand même des trucs genre le... C'est quoi? C'est Favarian Régimé, elle est où? Favarian Régimé... Favarian Syndicate, pardon. Elle est équivalente, sa capacité navale est un peu supérieure, mais globalement on est équivalent. Le problème c'est que c'est des gentils et que nous on supporte, enfin en tout cas nous, notre espèce supporte très mal les guerres ouvertes. Elle n'aime pas du tout ça, même si j'ai essayé de booster le bonheur, elle déteste ça. Et j'ai un peu peur que ça nous retombe dessus, surtout que ils ont quand même un sacré empire. On va pas se le cacher, ils ont un sacré empire et en plus de ça, on peut pas revendiquer la récupération de planètes à cause de notre politique de type Tafiold. Donc ça m'énerve. Est-ce que guerre sans restriction? Ouais, ok. Parce qu'il y a personne qui veut se mettre en guerre avec nous parce qu'on est quand même suffisamment fort et en même temps on est gentil avec tout le monde. Du coup personne veut vraiment se battre. Gouvernance espèce première uniquement. Nana. Non, droit de vote pour tout le monde, c'est bien. Réimplémentation prohibée. Migration libre. Illumination des natifs prohibée, autorisée. Non, c'est bon. Non, en fait, on est tellement gentil que du coup, on peut plus rien faire. Ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde même beaucoup parce que je sais pas trop quoi faire. La grande flotte. Ouais. Je sais pas trop quoi faire parce que j'ai genre masse minéraux, j'ai de quoi faire énormément de choses, je pourrais construire des flottes et des flottes sans trop problème, je peux maintenir énormément de choses, mais en même temps je peux pas déclencher de guerre, du coup j'ai l'air d'un con. Et ça m'emmerde. On pourrait tenter des trucs. On pourrait clairement tenter des trucs, mais je vois pas trop. Le Commonwealth of Gavaskul, il est où? Je regarde un petit peu. Bah lui aussi nous aime bien. Ça, c'est chiant. Il y a personne qui nous déteste. Et ceux qui nous détestent, ils sont pathétiques. À ceux-là, à la limite. Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est ceux qui ressemblent à des elfes. Sinon, déclarer la guerre. On pourrait déclarer la guerre, on les écrase et puis c'est fini.
Ils utilisent quoi comme modèle de transportation? Comment on peut le voir? Comment on peut voir c'est son modèle de vitesse subliminique? Mais je sais plus. Je sais plus. Vous savez ce qu'on va faire? On va ramener tranquillou. Bon, ça va prendre trois plombes parce qu'en fait le chemin était un peu, un petit peu long. On va ramener la First Starfleet et on va leur rouler dessus gentiment, hein. Leur faire comprendre que c'est moi le patron. Alors qu'est-ce que tu veux? Lien de capteur actif? Ok, si tu veux. Je sais pas ce que ça fait. Mais bon, vu que vous êtes plutôt sympa et que vous avez de la population à nous, chez nous, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. Je regardais rapidement ce secteur. Où est-ce que ça en est? Voilà, ça commence à s'améliorer au niveau des gains et des crédits énergétiques, donc ça devrait aller. De toute façon, j'avais lancé énormément de boosts énergétiques. Ça devrait être tranquille. Putain, je suis au maximum au niveau des matériaux. Vache. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Ouais. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Bon. Alors, ça y est, on vient d'arriver au bord de la zone. Si j'ai perdu un petit peu de puissance de feu, c'est normal parce qu'en fait, mon amiral de niveau 5 est décédé. Du coup, bah voilà, j'ai un peu perdu. Alors, vous, déclarer la guerre, je veux céder la planète. Ah, je peux la voir celle-là. Yay! Vous me la cédez et puis. Et puis voilà, j'ai gagné. Alors, s'il te plaît, file là-bas. Non, hop, la gestion, c'est fini. On va s'amuser un petit coup, ça va être drôle. Parce que là, pour le coup, si on peut avoir ce secteur-là, ça pourra peut-être rebooster un petit peu cette zone. Coucou, c'est nous. 1,4. Oh, tranquillou. Tranquille, on sort de l'hyperphase et ça devrait aller. Ah oui, vu que je suis en guerre, je suppose qu'il y a tout le monde qui est pas content. Ouais, c'est ça, on a perdu. Le bonheur a été. Ouais, c'est ça, moins 15%. Oh la vache, je suis tombé à 45, c'est pas fou. Je dois avoir des grosses grèves un peu partout. C'est normal. Mais bon, ça passera. Soon, ça passera bientôt. Alors, on est un peu lent, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait mal? C'est trop drôle. Il y a zéro puissance. Alors, par contre, c'était pas forcément ça que je voulais que vous attaquiez. Parce que j'ai envie de dire, c'est un petit peu simple. Non, mais sérieusement, c'est trop drôle. C'est. Ça c'est fait. Ta vache, tout ce que j'ai. Voilà. Quoi, ils ont failli me casser un croiseur? La vache. Ouais, ils se sont vénères, hein, parce que bon, j'ai quand même des superbes unités. Si c'est pas monstrueux, ce genre de vaisseau. Et c'est le GG. C'est même le gros GG. Et là, hop, on va aller pilonner en orbite. Allez, ils pourront plus rien faire. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Et donc là, on va pouvoir revendiquer. Donc là, actuellement, on est à 39%. Il va nous en falloir un petit peu plus, je pense. Oh, on les a déjà. Bon, on va finir le travail. On va pilonner et puis ça va être gentil. Allez. Là, c'est clair. On est à 77%. À moins 37. Ok, d'accord. Donc on peut toujours pas.
Et on peut toujours pas, mais c'est con. Je suis censé pouvoir là. Mais ils ont pas d'autre choix. J'ai envoyé le. J'ai envoyé ma demande, mais bon. Greetings, ok. C'est tout? Ils ont pas dit ok. Ah bah ils sont un peu cons. Ils ont juste dit greetings. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug là. Ok. C'est bizarre. Je fais quoi maintenant? Je me pignole, je fais quoi? Ils me disent d'aller me faire mettre? Je comprends pas trop. Ah, je peux pignonner pendant longtemps, hein, ça c'est clair. Si ça les amuse, je peux faire ça très 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 longtemps. C'est pas un problème. Mais je fais quoi? Alors attendez, parce qu'ils ont peut-être quelque chose en plus. Ils ont peut-être quelque chose en plus qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Je vais scinder la flotte. Je vais envoyer une partie de la flotte ici. Voilà, ils vont perdre. Donc là, on est toujours à 77%. Je vais un petit peu regarder ce qu'il y a dans le coin. Ok, mais y a pas grand-chose. Fais chier! En vrai, ça m'emmerde un petit peu de pas pouvoir terminer ces guerres. Ah, pas grand chose en plus, hein. Donc là, il y a une jolie planète disponible pour nous. Ça pourrait être pas mal, même si la colonisation est un peu loin. Il y a personne. Ah ah, il y a quelqu'un ici. Ah, mais c'est une flotte pirate! La flotte pirate qui s'est mise en... D'accord, bon là ils vont se faire pilonner, ça va être très drôle. Ouah, ils m'ont pété un croiseur quoi. Ils m'ont violé un croiseur. Oula, j'ai deux recherches de fini. Réacteur antimatière, c'est pas mal. Vitesse d'exploration, réseau de panneaux solaires. Bon ça c'est pas mal, et l'autre blindage plus 5%, c'est super long. Les complexes d'ingénierie, ça peut être pas mal, augmenter l'ingénierie. Allez hop, parti. Allez, on finit de les pourrir. Ah, ils m'ont cassé un croiseur, quoi. Bon. C'est pas tout, mais il faut que je trouve ces petits salopards qui traînent, là. Sur 77%, il y a bien moyen de faire quelque chose de plus. L'occupation de planète ennemie. Je dois pouvoir... Ah ah. Allez, défoncez-moi ça. Genre instant. Allez. S'il vous plaît. Faut que ce soit expédié, ça. Bon, ok, toujours 77.
Mais on a clairement réduit, il reste plus que. Bah, il reste plus que ça. Ah bah voilà! Et bim! Et bim! Une guerre de gagnée! Enfin, j'ai fini par y arriver! Ah, c'est à moi. Alors, proposition de traité migratoire. Je suis d'accord, j'aime bien les traités migratoires. Ok. Donc les limaces, elles me disent pas ok, elles sont... Tout le monde me chie dans la bouche, c'est pas très grave. En tout cas, guerre finie, voilà, on est passé en positif, on est bien, on est même très très bien. Hop, on va fusionner ces deux flottes. Et surface, bah oui, forcément, modificateur de pop, les mecs, c'est des elfes en plus. Ils sont pas contents, ils sont pas très très contents, mais ça va être à moi de gérer tout ça. Je sais pas trop quoi faire d'ailleurs avec eux. Liste des écrets, comment on peut faire? Campagne de rééducation pour éviter la divergence éthique, projet d'infrastructure. Minière en plus 15%, surcharge de capacité, non. Attractivité pour les migrants, ça pourrait être pas mal. Je vais mettre ça. Et là, je vais un petit peu regarder ce qui se passe. Genre, on va améliorer toutes les infrastructures, évidemment. On va commencer par améliorer tout ça. Voilà. Là, on est bien. Oula, peut-être pas passer en très rapide, je vais passer en mode normal. Et donc là, on est bien. On est même très très bien, parce que ça veut dire du coup que je vais pouvoir lancer la construction. Par où c'est le plus rapide? C'est-à-dire, je vais pouvoir lancer la construction d'un vaisseau de colonisation pour pouvoir aller. Ah, oula. Population scalarienne. Ok, je suis d'accord. Vous aussi, je suis d'accord. Bon, une guerre. Ok, d'accord. Donc nous, on a éliminé une guerre, on a dominé. 26 empires sont toujours indépendants. Ouais, ça risque d'être un peu long si on essaie de vaincre tous les autres empires, ça risque d'être un petit peu long. Donc on a ce secteur-là où il y a pas mal de planètes qui seraient potentiellement, même très bien potentiellement, disponibles pour nous. Déjà, on va faire ramener les vaisseaux de construction ici, les vaisseaux civils ici. Vaisseau scientifique ici aussi. Ça va être long, hein. Ça va être particulièrement long parce que il va falloir aussi que je me débrouille pour qu'ils reconnaissent tous les systèmes du coin. Alors, c'est pas dans l'ordre. Il va falloir. Merde, j'ai fait les projets de recherche. Il va falloir s'occuper de tout ça. Ça va être un peu long. Mais c'est une nouvelle terre d'opportunité qui peut être parfaitement très correcte. Ça pourra nous un peu relancer tout ça. Le problème, c'est comme je vous ai dit en début d'épisode, eh ben, c'est pas un jeu qui est hyper simple à commenter. Là, c'est vrai, il y avait de l'action, mais je peux vous assurer que pendant les 2 heures, 2, 3 heures, voire même un peu plus, pendant lesquelles j'ai joué tout seul dans mon coin, eh ben, c'était pas aussi fun. C'était clairement pas aussi fun. Et donc, du coup. C'est un petit peu le problème de jeu, c'est qu'il est compliqué à commenter en tant que tel. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa, je trouve. On va construire un spatioport pour la suite des ah comment ça s'appelle? Des festivités, voilà. Pour la suite des festivités, ça peut être pas mal. Là, je vais construire un vaisseau colonial ou deux, voilà, deux vaisseaux coloniaux. On ira coloniser. Des planètes dans le coin, ça peut être pas mal, parce que de toute façon, plusieurs objectifs de victoire, et ça peut être pas mal. Du coup, ce que je vous propose d'ailleurs à ce niveau-là, en concernant la façon dont je vais faire la suite de ce let's play, c'est que enfin, j'essaye d'en faire régulièrement des lives le samedi soir sur Twitch, sur des jeux vidéo, un peu de tout. J'essaye de faire des jeux qui me plaisent, ça peut être sympa parce que ça me permet de discuter avec vous. C'est marrant, on a la même couleur. Sur les deux empires. J'essaie de discuter avec vous et en même temps de jouer assez intelligemment à des jeux auxquels je joue pas d'habitude. Ce que je vous propose, tout simplement, c'est que dans comment ça s'appelle?
pendant ces lives, je fasse la suite une fois que tous les épisodes seront sortis sur ma chaîne, bien sûr, histoire que vous ne soyez pas spoilés par les lives. Je fasse la suite directement en live, hein, et que cette suite, en gros, elle soit beaucoup plus agréable à regarder, enfin beaucoup plus, ça sera, elle sera directe à chaque fois, hein, voilà. Je ne jouerai qu'en live, ou en tout cas, j'essaierai de ne jouer qu'en live. Ça vous permettra d'avoir entièrement ce que je fais. Genre, vous le mettez en fond sonore pendant que vous bossez ou des trucs comme ça, ça peut être sympa. Et en même temps, ça me permet moi de discuter avec vous, ce qui est toujours très très cool. Moi, j'apprécie beaucoup, j'apprécie toujours discuter avec les autres. C'est toujours sympathique. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que la suite se fasse en live. Ça sera quand même beaucoup plus drôle, je pense. Putain, la vache, il y a des empires qui sont énormes. Et moi, j'ai fait la connerie de pas me développer suffisamment, je pense. Suffisamment vite. Ouais, j'ai un peu chié dans la colle, je pense. Ah, j'ai un scientifique qui est mort. Voilà. Bon, ça fait combien de temps? Ça fait une demi-heure. Ben ouais. Je pense que on va du coup s'arrêter sur cette note-là, sur cet épisode. Bah désolé, je pensais que ça aurait été un petit peu plus, voilà, ça aurait été un peu plus punchy, mais bon, finalement, je me suis rendu compte que ça allait pas. Ça arrive. Bah du coup, on aura fait quand même quelques épisodes, ce qui est plutôt cool. Moi, j'apprécie beaucoup ce jeu. Hein. J'apprécie vraiment ce jeu, c'est pas du tout un problème, j'aime bien y jouer. J'aime beaucoup y jouer. Je regarde un petit peu ce que ça nous donne. Donc je serais très content de retourner dessus en live. Ce que je vous propose, c'est vous abonner à ma chaîne, ça vous permet de savoir, parce que je le dis à chaque fois, je fais une vidéo avant chaque live, une petite vidéo qui disparaît en fait une fois que j'ai fini le live. Je fais une petite vidéo, donc... Si vous êtes abonné, ça vous permet de savoir quand est-ce que je live. Généralement, c'est le samedi soir vers 20h30. Même si ça risque d'être un petit peu compliqué pour la moitié du... pour le semestre scolaire de... se déroulant de septembre à... ouais, à janvier-février de 2018. Donc septembre 2017 jusqu'à janvier-février 2018. Ça risque d'être compliqué pour moi de live parce qu'en fait... je serai très certainement, je ne sais pas encore au moment où je vous dis ces mots, je serai très certainement à Montréal pour un semestre à l'étranger. J'aurai pas tout mon matos, j'aurai rien du tout, j'aurai un petit peu un PC portable à la con. Donc pas de live à ce moment-là, mais après ça reste de revenir. Donc voilà, je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira. Je suppose en juin-juillet. Je suis pas sûr que je pourrais faire des lives non plus à ce moment-là. J'essaierai, dans tous les cas, j'essaierai de faire une suite à ce let's play parce que ça me plaît beaucoup. Il y a, je pense, beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Donc voilà. Voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. À me suivre sur les réseaux sociaux, genre Twitter. Tous les liens sont bien évidemment dans la description. À venir en discuter sur Discord. Il y a un Discord de la communauté qui a été créé. N'hésitez pas à passer dessus si vous voulez poser des questions, que ce soit en commentaire ou sur le Discord. Voilà, ça peut être très sympa, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, ce que vous voulez, et puis à dans 4 jours pour un tout nouveau Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien !